Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo que vous attendez, il y en a beaucoup qui m'ont demandé. Donc comme vous savez, trouver les thèmes de vidéos, c'est quand même pas simple, parce que j'ai pas mal d'animaux et que j'essaie de tourner, d'en donner un peu pour tout le monde. Là aujourd'hui, principalement, je vais essayer de me baser sur le boa constrictor et le boa imperator. Donc je vais rester en parlant de boa, parce que ça change de nom tout le temps et que j'ai pas envie de me prendre la tête sur les localités spécialement. Voilà, je vais parler du boa en général. On va faire une petite parenthèse dessus, vous montrer un petit peu les différents terrariums que j'ai pour les maintenir, comment je les maintiens, et pourquoi je les maintiens comme ça, et ma façon de faire au niveau des boas. Les choses que je n'apprécie pas, que je vois un petit peu sur Internet, ça, je vais en parler un petit peu aussi durant la vidéo. Et puis vous montrer un petit peu la nouvelle installation, bien entendu, puisque j'ai tout changé mon coin, comme vous savez, au niveau des boidés, pour certaines raisons. Il y a un terrarium qui est en cours de création, enfin, en cours de modification. Donc pour l'instant, il n'a pas les vitres, il n'est pas éclairé. Par la suite, ce sera le terrarium de l'anaconda. Pour le moment, il est jeune, donc il reste dans la partie du haut. Donc je vous ferai une petite parenthèse sur l'anaconda assez rapidement, parce que bon, c'est pas un boa, mais il fait partie des boidés. Donc je vous ferai un petit passage. En plus, il est bien positionné. On va peut-être commencer tout de suite maintenant qu'il est bien. La GoPro, je ne pourrais pas l'amener trop près, je vous ferai un zoom parce qu'il a tendance à taper dès qu'il y a quelque chose qui rentre. Mais comme ça, vous pouvez le voir. Donc ça, c'est le jeune anaconda qui doit avoir de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, de 5 ans. Et puis voilà, donc sachant que les mâles sont beaucoup plus petits et la coloration, elle est moins jaune que sur la femelle que j'avais avant. Donc voilà le terrarium. Donc il ne faut pas faire attention à la boîte en plastique qui est dedans. C'est une boîte que j'ai posée pour mettre le rat hier. Tout simplement, quand je l'ai nourri. Donc, comme vous pouvez voir, il est souvent dans le bac d'eau, mais depuis que je l'ai passé dans ce terrarium à ce niveau-là, il sort beaucoup plus souvent. Alors, on va ouvrir et aller le voir d'un peu plus près. Alors, je me méfie parce que c'est assez. Alors, je sais que vous aimez voir du serpent en vidéo. On va enlever la boîte. Comme vous pouvez voir, il vient de suite. Il vient de suite, il s'approche. Ah, il croit que je ne l'ai pas vu. Hein. Il vient tout doucement, comme ça. Là, il s'est remis à manger. C'est vrai que pendant un petit moment, il ne voulait plus manger. J'ai eu une période, ouais, cet hiver, catastrophique. Et c'est vrai que c'est moi, c'est un serpent que j'adore. Donc là, je cherche une femelle, bien entendu. Alors, je ne sais pas si je pars sur une femelle Nothéus comme celui-ci. Donc, Anaconda jaune, c'est Eunetes Nothéus. Ou si je pars sur un mâle Murinus. Malmurinus qui reste beaucoup plus petit qu'une femelle. Donc je sais pas. Je sais pas. J'ai essayé. J'espère qu'il va pas me taper la GoPro. Je vais aller tout doucement. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir la tête. Donc le Nothéus reste beaucoup plus petit. Le Murinus, c'est l'anaconda vert. Donc il est beaucoup plus gros. Après, les mâles arrivent à faire pas plus de 5 mètres. Donc ça passe. Après, au niveau des femelles, c'est pas gérable. C'est pas gérable parce que c'est des serpents qui sont bien plus gros. Alors là, je me méfie, parce que là, vous voyez que sa langue, il détecte la caméra. Là, je vois pas ce que je filme. Il détecte la caméra. Le problème, c'est que si je bouge, il va taper direct la caméra. Alors, c'est pas que je ne veux pas vous montrer, mais j'ai pas envie qu'il me l'abîme. Quoique, logiquement. J'espère que vous aurez une belle prise de vidéo. J'ai essayé de bouger plus loin ma main pour qu'il parte. Non, je n'ai pas envie. Hein. Allez. Il aime la caméra. Hein. Alors, allez, tout doucement. Je suis content, il n'a pas tapé. Alors, il me fait mentir. Il faut dire que je suis lent dans mes gestes. Donc, je vais reprendre après. Donc, on était sur l'anaconda. On va passer sur la batterie extérieure que j'ai fait. Donc, complète. Voilà ce que ça donne. Je vais éclairer. Alors, ça ressemble un petit peu à ce que j'avais au début, mais je trouve que ça fait beaucoup plus clair et beaucoup plus propre depuis que c'est comme ça. Sachant qu'au niveau des terrariums, je préfère cela que les grands que j'avais fait avec les grilles parce que j'ai eu pas mal de soucis. Donc, j'ai éclairé les deux là. Bon, celui du dessous est éteint. Je vais aller l'éclairer pour vous montrer. Voilà. Ça donne un visuel un peu plus joli. Donc, vous voyez, ça fait assez sympa. Le coin, j'aime bien. Et comme vous savez, je passe beaucoup plus avec des terrariums maintenant. Et en haut, comme vous pouvez voir, j'ai récupéré donc le boa sunglo qui se balade sur ses branches. Donc il a un grand terrarium de 2 mètres de long
par 70 cm de profond. Alors celui-ci fait 70, les autres font 60. Comme vous pouvez voir, je leur mets un grand bac d'eau. Lui, je l'ai fait un gros traitement il n'y a pas longtemps. Et normalement, il devrait avoir avec lui le boa constrictor Suriname qui devrait venir emménager avec lui. Je vais mettre les deux mâles ensemble. Et si on descend et qu'on passe là, on a les deux vieilles femelles qui ont le même terrarium. Alors pour les femelles, elles ont mangé hier. Je vous mettrai en vidéo, là, pendant la vidéo, les nourrissages. J'ai filmé à part. Faut que je fasse le terrarium parce que j'en ai une qui a mué, tout ça. Je voulais sortir après. Bon, là, la vitre, c'est les... faut que je fasse les vitres de celui-ci. J'ai fait la partie droite hier. Donc là, elles sont tout le temps ensemble. Donc j'ai la vieille qui a 38 ans, qui est maigrie, mais forcément, elle a 38 ans, elle a 39 ans cette année. Et la plus claire, qui elle a 9 ans, 10 ans, elle a mangé hier. Alors ça m'embête de les manipuler aujourd'hui, dans cette vidéo. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ont mangé hier et que ça m'embête, surtout qu'ils ont mangé des grosses proies. Donc j'ai pas spécialement envie de passer et de les embêter. C'est rien, faut que je mette une canne au milieu. Parce que je trouve que ça force. On va aller les voir quand même. Donc faut que je fasse le terra. Là, je vais juste enlever la sonde qui s'est barrée. Alors les boîtes, ça reste mes préférences par rapport au python, généralement. Parce que je trouve qu'au niveau du nourrissage, au niveau du comportement, ça reste quand même assez cool. C'est des serpents qui restent assez sympas. Malgré qu'il faille se méfier quand même. Je vois souvent des personnes danser avec des boas, faire de la photo avec des boas. Le problème, c'est que c'est des personnes qui n'ont aucune. C'est pas parce qu'on a trois serpents chez soi et qu'on les nourrit, qu'on y connaît en serpent. Et le gros problème aujourd'hui, c'est que tout simplement, bah, les gens n'y connaissent rien. Donc que ce soit toutes les salmonelles, enfin tous les zoonoses, que ce soit bactérien ou parasitaire, ou que ce soit au niveau du danger, la constriction, je vais vous dire honnêtement, à part un gros spécimen, vous n'avez pas trop de risques. Mais vous pourrez vous en dépêtrer sur un boa. Par contre, le problème, c'est au niveau de la morsure. Un boa de cette taille-là, qui vous mord au niveau du visage, il vous défigure. Et le souci, c'est que, voilà, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mes stages, c'est qu'un serpent, en soi, il n'a pas d'émotion. Le problème, c'est que lui, il est géré et il régule par rapport à son environnement et il faut toujours, toujours faire attention. J'ai beau connaître mes serpents, regardez, j'y mets pas la main comme ça. Automatiquement, si je dois mettre quelque chose avant, je prends n'importe quel objet et je préviens le serpent, dans le doute, au cas où. Voilà, vous voyez, je vais pas aller comme un bourrin mettre la main. Et même comme ça, regardez, j'ai même pas envie d'aller la mettre parce que il y a toujours un risque que le serpent vous tacle. Donc prenez des... Faites attention quand vous avez des serpents. Prenez pas les choses à la légère. Bon là, on a une grosse mue, vous voyez, belle mue, belle chaussette. Faut que je l'enlève et faut que je fasse les copeaux. Donc au niveau des vitres de ce terrarium, faut que je reprenne, c'est vraiment catastrophique. Ici, faut que je les change, faut que j'aille les faire couper. On va sortir le... En fait, le problème, c'est que je les ai nourris hier, en fait. Donc, c'est vrai que je fais la vidéo un peu tôt. On va pas les manipuler. On va aller les regarder de près. J'ai pas envie de les embêter. On les sortira dans une autre vidéo. Je vous ferai faire... je vous ferai une petite vidéo manipulation. Oh, je vais pas servir les vitres. Donc, on va les voir de près. Hop là, je la mette. J'ai essayé de vous faire des jolis plans. Donc celui-ci, je l'ai récupéré. Ah, il était un petit peu sous-nourri. Bon, là, j'ai bien relancé. Hier, il s'est tapé deux gros rats. Donc je pense que d'ici 6 mois, il va bien doubler de volume, on va dire. Après, il reste super beau. Hein. Donc vous saviez, c'était celui de ma femme. Et elle est très contente qu'il soit revenu ici. Donc bois Imperator Sunglow, si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui, pour savoir qui est quoi, honnêtement, je me prends plus trop le chaud. Donc, vous voyez, le terrarium, vous le connaissiez, vous l'avez vu dans une autre vidéo, c'est moi qui l'ai fait, de base. Et vous voyez, comme quoi, vous mettez un petit peu de hauteur, il n'y a pas besoin d'avoir plus, je crois qu'il fait 56 cm de hauteur. Vous voyez, vous mettez ça, ben, il navigue toute la journée, il navigue dans son terrarium, et je trouve ça magnifique. J'espère que ça vous plaît, j'espère que le coin vous plaît. Comme vous savez, je modifie toute cette partie-là,
Semaine prochaine, je vire tout, je casse tout, je démonte tout. Et donc, je vais tout refaire. Donc, ça va être sympa. Voilà, donc bon, je vais pas vous sortir sur une âme aujourd'hui, parce que bon, vous l'avez déjà vu dans une autre vidéo. J'aurais bien voulu vous les manipuler pour vous les montrer. Le problème, c'est comme vous savez, je suis pas un grand fan de manipulation de serpents. Je trouve pas ça cool. Le but, c'est de les laisser tranquilles. Là, ils sont dans leur... il est dans son terrarium. Il est super sympa, il est bien. Il se pose en hauteur. Là, en plus, je l'ai traité pour les acariens en une semaine. Il a changé d'endroit. Il a changé de terrarium, entre guillemets. Il a eu donc un traitement anti-acarien de malade, interne et externe. Et en plus, il s'est nourri nickel du premier coup. Et voyez, regardez, c'est un serpent qui est super sympa, qui se balade. Alors celui-ci, je l'avais acheté à l'époque. Je crois que je l'ai acheté chez Bevesaurus à Lyon. J'avais acheté ma femme qui avait craqué dessus. Donc, Sunglow. Il est vraiment sympa. C'est vrai que c'est un super beau boa. J'espère que ça vous fait plaisir. J'espère qu'il n'y a pas trop de lumière, surtout. Alors, j'essaie d'éteindre le néon qui a été pas... Non, je ne vais pas pouvoir couper le néon, là. Si, ça y est. Bon, vous n'avez pas trop de lumière, mais c'est pas grave. Vous verrez peut-être différemment. Bon, c'est pas terrible. Donc, assez sympa, hein. Ça repart assez sympa. Moi, je sais que j'aime beaucoup. Il n'a jamais essayé de mordre, celui-ci. Bon, là, il sort la caméra, donc je me méfie quand même. Je me méfie quand même. Vous voyez, tout de suite, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Lui, tout le temps, il veut sortir. Il veut se barrer. Alors, faut savoir, c'est que quand je l'ai récupéré, là, il y a 2 semaines, il était noir d'acarien. Complet. Il voulait pas manger. Et là, bah, aujourd'hui, traité de contre les acariens, interne, externe. Je lui ai passé, comment on peut appeler ça, une sonde avec traitement interne. Donc, c'est pas mal. Et il se remet à manger nickel. Donc, hier, il a pris 2 rats. Pour ça, je l'embête pas. Je vous le montre, voilà, que vous puissiez le voir en vidéo. Il y avait 1 an que vous ne l'aviez pas vu, 1 an et demi. Et au moins, comme ça, vous pouvez le revoir. Donc, au niveau des terrariums, il y a plusieurs points à prendre en compte. Moi, ce que je vous conseille, c'est un terrarium. Allez, je me rassois. Alors, comme je vous ai déjà expliqué par rapport au terrarium de vos serpents, je n'ai pas de choses particulières à vous expliquer. N'hésitez pas à les farfouiller sur la chaîne, j'ai mis des tutos où j'ai fabriqué des terrariums comme celui-ci. C'est assez simple en soi. Le but, c'est surtout d'avoir un terrarium qui soit fonctionnel par rapport à vos recherches. Vous pouvez le peindre en noir à l'intérieur, le laisser blanc, mettre des décors. Le but, c'est d'avoir un système d'éclairage, un système de chauffage, une distance assez longue entre le point chaud et le point froid, donc le bac d'eau et le point chaud, pour qu'il puisse, on va dire, avoir un minimum de température différente dans le terrarium, sachant que c'est pour ça que je vous explique toujours de coller avec du scotch aluminium sur le tapis chauffant la sonde. Comme ça, quand vous réglez 31, vous n'allez pas avoir une ambiance... Parce que si vous mettez votre sonde, en fait, à 10 ou 15 cm, votre température à 10-15 cm va être de 31. Par contre, votre tapis va monter à 35, donc il sera très chaud. Il faut toujours scotcher la sonde dessus. C'est ma façon de faire. J'ai jamais eu de soucis comme ça. C'est ce que je vous conseille de faire par rapport à ce qui est. On m'écrit souvent au cumul de chauffage. Oui, j'ai un thermostat pour 6 tapis chauffants. J'ai une façon de faire. Elle est assez complexe. Je ne veux pas en parler parce que j'ai mis du temps à trouver le truc. Il faut trouver où on met la sonde au bon endroit pour avoir la bonne température de partout. Il faut que ce soit des animaux qui ont besoin de la même température. On ne peut pas faire ça, par exemple, avec un boa constrictor et une Pantherophis guttatus et un Morelia viridis. Vous allez avoir des problèmes. Pensez à ça. Essayez de réfléchir toujours simplement, c'est-à-dire avoir 2 aérations, des vitres qui coulissent, qui se ferment, un joli décor. Votre serpent, pourquoi moi je passe avec du copeau de bois, principalement sur les boïdés et pas de la tourbe? Tout simplement parce que la tourbe, je trouve que c'est ça va favoriser les acariens. Avec les copeaux de bois, j'ai jamais d'acariens, j'ai très rarement des soucis. Là, à part là, parce que j'ai celui-ci, ça fait presque 1 an. Hormis une seule radiata, j'ai pas eu d'acariens. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez cool de se rendre compte de ne pas avoir d'acariens, parce que c'est quand même un fléau dans la terrarium. Je vais vous faire un petit visuel sur ma Python Régus. Allez. Hop. Donc, femelle de 1,8 kg, comme vous avez pu voir. C'est un serpent qui a à peu près entre 14 et 17 ans, n'a pas l'âge exact, que je garde. C'est un Python Régus classique. Nombreuses morsures à son actif avec moi.
parce que je rentre toujours comme un bourrin dedans, et c'est vrai que je me dis toujours, c'est un python Régis, elle est cool, comme beaucoup se disent sur les boas, et elle me mord régulièrement. Je vais pas vous cacher que là, elle peut me mordre, mais voilà, globalement, c'est un serpent qui est pas manipulé beaucoup, que j'apprécie particulièrement, parce que c'est mon premier serpent que j'ai eu, voilà, dans mon élevage, et donc je compte bien la garder le maximum, et je pense que c'est le seul serpent que ça m'embêtera vraiment le jour où elle va partir, parce que ça reste mon premier serpent, quoi. C'est quand même... Voilà, je suis content. Donc, elle mange son rat tout le temps. Une petite période de jeûne. C'est un des seuls pitons Régis. Comme vous savez, j'ai eu énormément de pitons Régis à l'époque. Je suis monté, je crois, à plus de 30 pitons Régis. Comme tous les serpents. Elle a de nombreuses cicatrices, parce que ça c'est dû. Alors, c'est toujours pareil. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, ce que je vous demande, c'est d'arrêter. Ne faites pas ce que vous voyez sur Internet. Arrêtez de nourrir vos pitons Régis, vos boas, et quels que soient vos serpents au vivant. Vous ne vous rendez pas compte les dégâts que peut faire même ne serait-ce qu'une souris sur un serpent, et derrière, vous pouvez avoir des septicémies de vos serpents, vous allez pouvoir avoir des infections vraiment graves. Vous ne donnez pas du vivant à un piton Régis ou à un boa constrictor. On s'en fout dans la nature, ils le fassent. En captivité, c'est des serpents qui ne sont pas habitués. Et le jour où ils se font mordre, regardez celle-ci, la balafre qu'elle a, elle l'a toujours. Je ne sais pas si vous la voyez. Et ça, c'est ce genre de conneries. Alors moi, je donne du vivant à certains serpents, oui. Mais je donne du vivant à des serpents venimeux. Donc à des serpents qui vont mordre leur proie, ils vont se retirer, ils vont laisser mourir leur proie, et ensuite, ils vont venir la manger. Voilà, donc faites vraiment attention avec le nourrissage au vivant. C'est quand même pas... faut arrêter de dire c'est pour leur instinct, on s'en fout, ça, c'est du n'importe quoi. Qu'on mette un terrarium adapté, c'est une chose, mais qu'on veuille nourrir au vivant, c'en est une autre. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous ferai une manipulation de serpent dans quelques temps. Je viendrai avec ma femme, elle me filmera. Je vous ferai une manipulation, que ce soit de gros serpents ou autres. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé un peu pour fabriquer vos terrariums, que ça aura pu répondre à vos questions. Au niveau de la fréquence de nourrissage, n'oubliez pas, c'est vraiment propre à chaque animal, un beau idée. En général, on donne entre 3 et 5 semaines. Il ne faut pas lui donner toutes les semaines, hormis quand il est juvénile. Il y a une période d'adaptation et il y a un procédé à faire et de régule en baisse plus l'animal va vieillir. N'hésitez pas à poser vos questions, j'essaierai d'y répondre. Partagez la vidéo, abonnez-vous, n'hésitez pas à liker. Plus tard, dans quelques temps, je vous ferai une vidéo sur la création d'associations. Je vous ferai une vidéo spécialement là-dessus. J'ai des vidéos sur la législation qui vont arriver aussi, ça peut être pas mal. Partagez la vidéo, mettez un commentaire, abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas. Abonnez vos amis, n'hésitez pas à faire tourner la vidéo, à faire tourner la chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao! Amis, j'ai enfilé un gant. Je vais vous montrer que ce n'est pas des bêtises, que l'anaconda
Quand on y va, il est pas content. Il est pas content. Allez, lui, hein. Allez. Bim, ouais, allez. Bim, allez, allez. Boum, ouais, allez. C'est pas difficile, hein. Ouh, il est pas content, hein. Quand je vous dis que ça mord tout le temps, un anaconda jaune, c'est bête. Mais alors, c'est un des serpents les plus marrants, en fait, parce que ça vous te mord tout le temps. T'y retournes, t'y retournes. Bim, t'y retournes. Bim. Allez, ciao.